filles, je vous reviens avec une vidéo sur le full lips. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est en gros une manière de repulper ses lèvres. En ce qui concerne cette manière-là, j'ai vu qu'il tournait un tag ou je ne sais pas quoi, où des gens en fait s'absorbent la bouche dans une bouteille en plastique. Ça vous fait des bouches comme ça, c'est une horreur. Bon là, on parle pas du tout de la même chose, hein. C'est quand même des produits qui sont totalement étudiés pour. Donc bah écoutez, il y a plusieurs recommandations, donc ça vient avec un petit livret comme ça. Donc je vais vous donner en fait les étapes à suivre pour utiliser ce produit. En premier, il faut nettoyer le full lips, donc avec de l'eau et du savon, pour bien, retirer toutes les impuretés qu'il pourrait y avoir et pour éviter tout ce qui est allergie sur le plastique en fait. Ensuite, il faut exfolier un petit peu ses lèvres et le contour pour permettre justement une bonne adhérence. En deux, il faut humidifier en fait les contours de sa bouche ou alors utiliser un hydratant. Donc moi j'ai pris celui-ci que j'avais eu chez Nose un jour, donc je pense que ça va bien faire adhérer le capuchon, parce qu'en fait c'est ni plus ni moins que des capuchons. Ensuite, en 3, ils disent que il faut placer en fait correctement le capuchon et aspirer un tout petit peu, tenir la succion et jusqu'à ce que ce soit confortable. Ils préfèrent en fait bouger de temps en temps le capuchon pour avoir la meilleure adhérence possible. En 4, ils disent que il faut relaxer sa bouche à l'intérieur parce que c'est très important. Tenir la succion entre 15 et 30 secondes. Il faut surtout, dès que c'est fini, couper en fait la succion avec le doigt sur le côté. Ils disent que en fait d'aspirer très très fort, ça ne sert à rien. Il vaut mieux des courtes succions plutôt qu'une grosse, plutôt que de se faire mal, quoi. Et en 5, ils préconisent d'appliquer son rouge à lèvres normalement, hein, soit son contour des lèvres, justement pour repulper un petit peu plus et que le résultat puisse être un peu plus dramatique. Donc bien contour des lèvres ainsi que le rouge à lèvres. Donc voilà, nous on va commencer tout de suite, hein. Ils vous mettent pour exfolier une petite brosse à dents comme ça. Donc je pense que ça peut être pas mal au niveau du résultat. Donc bah, écoutez, je vais prendre une photo tout de suite de ce que ça donne. Et on se retrouve pour les étapes à suivre du petit test. C'est parti. Première étape, je vais retirer le rouge à lèvres que j'ai actuellement, donc avec le Lift Argan au micellaire démaquillante que j'ai eu chez Nose et que j'apprécie beaucoup. J'en ai acheté deux bouteilles et c'est pas assez, quoi. Et ça n'existe plus, donc je suis un petit peu dégoûtée. Donc voilà. Donc j'ai nettoyé ma bouche des impuretés. Voilà. Donc c'est légèrement humide, donc en théorie ça devrait fonctionner pour le reste. Là je vais sortir le produit, en fait le baume qui servira à l'adhérence. Bon, je dépasse un petit peu, mais c'est voulu, hein. C'est pour que justement le produit, le capuchon adhère bien. Donc petit 1, c'est fait. J'ai pas exfolié mes lèvres, hein, mais je pense que ça tiendra. 2, j'ai nettoyé le petit truc là. Alors, ensuite, on positionne le full lips. Et on aspire. Donc en fait, il suffit vraiment de mettre uniquement l'ongle. Et ensuite, ça se décolle tout seul.
Alors honnêtement, une fois qu'on a pris une aspiration dans ce truc là, on peut plus aspirer comme un dingue. C'est pour ça que dans le tag là, avec les bouteilles là qui circulent, ça a des effets vraiment vertigineux quoi. Parce que en fait ça, une fois que t'as aspiré une fois, tu peux plus. Donc là, lui, j'ai l'impression quand même que ça a fonctionné. Alors, à part m'en coller partout, est-ce que vous voyez une amélioration? Alors ça, c'est sûr, je m'en colle partout. J'ai l'impression que la babine, là, elle a grossi, quoi. C'est pas possible, en fait, d'aspirer là-dedans. Alors, est-ce que vous voyez un effet, vous? À part la grosse marque du truc. Vous voyez un effet, vous? Oui, sur la babine du bas. Mais pas sur la babine du haut. Bon, alors vous, vous en pensez quoi? Moi, perso, je trouve que j'ai plus agressé ma bouche. Parce que là, on parle pas du contour, hein, mais je trouve que j'ai... Ah si, quand même, mais j'ai plutôt agressé ma bouche qu'autre chose. Hein. Et si j'essayais avec une bouteille? Une bouteille. C'est pareil, une bouteille. Ça fait la même succion, mais franchement, elle m'apporte broyer les lèvres. Vous voyez une amélioration, vous? Non, mais là, c'est parce que je me suis broyé les lèvres. Voilà, au bout de 30 secondes, ce que ça donne. Alors, ce que je vais faire, c'est... bon, bah là, j'ai l'air con, forcément. Je repasse un coup de... le Beauty Blender. Parce qu'en fait, le fait que ce soit rouge, forcément, ça vous induit en erreur quant à... quant au volume, et je vais remettre le même rouge à lèvres que j'avais tout à l'heure. Donc là, je vais remettre le même rouge à lèvres que j'avais tout à l'heure. C'est le Peggy Sage 455 que j'ai acheté récemment chez CAD Coiffure. Donc voilà. Et ça vous donne un aperçu, en fait, de la manière dont ça a repulpé les lèvres. Donc moi perso, je vois, enfin si quand même, je trouve que ça se voit. Donc je me mets bien pour vous montrer. Donc voilà en fait ce que ça donne. Honnêtement, moi je vois pas trop. Ah si, un tout petit peu quand même. Mais après, c'est pas flagrant, mais je l'ai pas fait très très longtemps. Donc dites-moi si vous, vous trouvez vraiment que ça a un effet repulpant sur mes lèvres. Et j'attends de vos commentaires
pour un peu me rendre compte. Je pense que quand je ferai le montage et quand je verrai la vidéo, je me dirai, ah ouais, ma Z, ça marche quoi. Donc oui, effectivement, c'est juste de la succion. Donc ça ne peut que fonctionner de toute façon, puisque ça absorbe la chair sur l'extérieur. Et en fait, ce kit, je remercie Cynthia Dulude de la chaîne du Cynthia Dulude quoi. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos parce que c'est grâce à elle j'ai gagné un concours sur son blog. Donc c'est grâce à elle que j'ai eu ces petits produits en exclusivité puisque c'était les gains du concours. Et il me semble qu'ils ne sont pas trouvables en France. Donc j'étais extrêmement contente de les recevoir. Donc Cynthia, si tu passes par là, je t'embrasse bien fort. Donc je vais la croire sur parole hein, puisque ça tient, elle a dit que ça tenait 1 à 2 heures, donc je la crois sur parole sur ça. Et donc voilà, bah écoutez, je vous ai montré un petit peu comment on fonctionnait avec les Folleps. Sachez quand même que je vois un effet maintenant que je parle, je me vois en vidéo, je trouve quand même qu'on voit le résultat. Donc étant donné qu'il y en a 3, moi j'ai pris le plus large hein, du coup hein, parce que j'ai une grosse ne rigolez pas mais voilà j'ai une grosse bouche voilà faut le dire donc voilà j'ai pris le plus large mais il y en a d'autres hein, elle est pour les bouches rondes et pour les bouches rondes carrées voilà. Bah écoutez, si vous avez testé ce produit n'hésitez pas à m'en parler hein, on échangera un petit peu sur cette expérience là. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Et je vous embrasse bien fort. La vie est belle en rose et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !